Direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour une très belle réunion, la réunion des Arc Trials. Il y a aussi un beau quintet, le Qatar Picarus, départ de cette épreuve à 15h15. Voici mes préférés, une sélection de 6 chevaux. J'aime beaucoup, beaucoup le numéro 14, Winter's Love, qui vient d'être prise en note. Elle n'a pas eu toutes ses aises pour finir. Elle est assurément compétitive à cette valeur avec Michael Barzalona et son bon numéro dans les stalles de départ. Le numéro 6, c'est le Nomade. Là, c'est un coup de poker parce que le Nomade aura une cote assez élevée. Il vient de faire une belle rentrée. C'est un pensionnaire de l'écurie en grande forme de Francis-Henri Graffard. Le numéro 7, Exciting, a été chuchoté dans un récent quintet plus. C'est l'entraînement en grande forme de David Smaga. Il faut s'en méfier malgré son numéro en dehors. Le numéro 10, c'est Al-Kamzim, cheval qui aime attendre, qui peut patienter très loin, mais qui est capable de remarquablement changer de vitesse pour finir. Dernièrement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il faut le reprendre. Ça ne s'est pas passé comme prévu non plus pour le numéro 8, Aibari, qui n'a pas apprécié le parcours en ligne droite à Deauville. Il a une bonne réussite sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Il faut le reprendre. Et le numéro 13, Bevan, vient de tracer une très très belle fin de course dans un récent quintet plus à Deauville. Il est indifférent à l'état du terrain et c'est une bonne base lui aussi. Voici donc mon ticket en 6 chevaux, 14, 7, 10, 8 et 13. Un quintet combiné qui vous coûtera la coquette somme de 12€. Ce n'est pas simple de prendre des bases, mais bon, tentons d'espérer le maximum de gains possible. Le résumé de ce ticket, il est ici et toutes les courses de référence et autres interviews sont disponibles sur equidia.fr.